carottes ou deux. Mobile pendant au moins 5 minutes. Alors on attend qu'il bouge plus du tout. Je le regarde venir. Quand il fait le coup de feu, le clic seulement, il fait comme ça et il meurt. Ils ont adoré. On l'a fait deux fois de suite. On va l'agresser, hein. Vas-y, mets-toi au trot. Obéir, droite-gauche, hein, comme les cadets en main. Bon pépère. On en reparlera tout à l'heure, si vous voulez. Comme les talons noirs. Faire le demi-tour par Macron. Mais après, tout ce qui est. Et si chaque poste. Il y a 35 ans, j'ai rencontré, j'étais instructeur à l'époque, donc à Dar es Salaam, et j'ai rencontré un monsieur qui était dans le cinéma. Il s'est trouvé qu'il avait besoin de quelqu'un pour former des acteurs sur un film. C'était le secret du Sahara, je crois, à l'époque. Donc je suis allé là-bas et j'ai vu comment ça se passait. Et ça m'a intéressé. Et du coup, je suis resté dans le cinéma. Je n'ai jamais arrêté pratiquement depuis 35 ans. Le premier film, ça doit être Scheherazade et les Mille et Une Nuits avec De Broca, qui est l'ermite. Le premier film de Catherine Zeta-Jones, entre autres. Un autre métier sur les... En dehors du cinéma, d'abord c'est l'instruction, former des jeunes et des cavaliers et tout, pour les compétitions ou quoi. À l'époque, j'ai travaillé pour la Lamina, à Dar es Salaam, pour les sauts d'obstacles. Et pour le cinéma, c'est de préparer des dromadaires ou des chevaux pour les acteurs d'une part, pour les cavaliers d'autre part, qu'ils soient soumis, dressés, bien habitués à la caméra, au bruit, au coup de feu, au feu et autres. Bah, les gros films qu'on a fait, par exemple Kingdom of Heaven, Alexandre le Grand, Mommy, Légionnaire, c'est 200 chevaux en moyenne. On a fait Black Gold en Tunisie, pareil, 200 chevaux, 80 dromadaires. Four Feathers, à l'époque, les 4 plumes, pareil, 200 chevaux, 80 dromadaires, mais les équipes, c'est énorme. Alors, on utilise pour les cascades les chevaux du pays, des barbes plutôt, qui sont plus petits et plus maniables.
et autrement les Espagnols également, et Espagnols aussi pour les acteurs. Ou des chevaux comme ça, des frisons pour les attelages, ils ont beaucoup d'allure. 5, 6 ans, 7 ans, on faisait 10 films par an avec les chevaux, nous. Hein. Et ce qu'on aime ici, c'est les décors, essentiellement, qui est Warzazat, Air Food, un peu partout, hein. Et la lumière, la luminosité, surtout ça, qui a fait l'engouement. Et le professionnalisme des gens qui travaillent aussi, hein. Que ce soit les techniciens ou les cavaliers ou les gens qui travaillent là, ils sont bien formés.